37 millions d'euros, c'est le volume d'un nouvel investissement dans le secteur automobile. Le Maroc et le groupe Italia Magneti Marelli ont conclu un accord portant sur l'implantation à Tanger d'une usine spécialisée dans la production de composantes automobiles. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle qui cherche entre autres à étoffer la chaîne de valeur du secteur. Mohamed Etlishkar. La future usine industrielle sera située à Tanger, dans la zone franche, Tanger Automotive City. Elle couvrira une superficie d'environ 20 000 mètres carrés et sa capacité de production en rythme de croisière sera d'environ 6 millions de pièces. La production devrait commencer d'ici 2019. Nous avons trouvé ici au Maroc le parfait endroit et les infrastructures idéales pour nos opérations de production. Nous avons déjà à Magneti Marelli un réseau de 86 usines à travers le monde. Et là au Maroc, nous allons avoir notre nouvelle plateforme de production pour de nouveaux marchés et pour répondre aux besoins des consommateurs locaux. Le projet nécessitera un investissement global de l'ordre de 37 millions d'euros. Il bénéficiera de l'accompagnement de l'État dans le cadre de la politique industrielle automobile. L'activité se concentrera d'abord sur la production d'amortisseurs pour les voitures et les véhicules utilitaires. Une usine importante de Magneti Marelli, le groupe de Fiat, qui lance sa première usine au Maroc d'amortisseurs. C'est un élément important dans les véhicules qui devient très technologique. Le groupe Magneti Marelli est un groupe extrêmement important, bien connu dans le secteur automobile et en particulier dans ses composants. Avec ce nouveau projet de Magneti Marelli, un nouveau métier se développe au Maroc, la chaîne de valeur s'étoffe et le secteur gagne en intégration.